en mode Tenzuko dans Grise, parce que comme vous avez deviné, bah, je vais vous parler du chef de un des plus grands chefs d'œuvre du 7e art et qui en fait partie. Grise, qui est un excellent film. Maintenant. Sur ce film, qu'est-ce que je peux vous dire? Et j'ai chanté en. On avait appris We Go Together. C'est marrant, j'ai appris la chanson, je ne l'ai jamais chanté en concert, je vous jure que ça va. Et c'est marrant, c'est des chansons de fou que j'ai appris, que j'ai jamais chanté en concert. C'est-à-dire John Kelly, j'ai appris I Sing in the Rain, jamais chanté. Et alors attendez. Alors on voit que c'est très années 80 ça, c'est très ricain, c'est très typé. Mais c'est l'un des films qui a le plus marché dans les années 80, enfin dans le film 79-80 avec Superman de Christopher Reeve. Celui-ci c'est le premier, il a fait 500 millions je crois, et Superman de Christopher Reeve est juste en dessous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, comme je disais, j'ai appris la chanson et je ne l'ai jamais chantée. Et c'est marrant, vous avez deux chansons légendaires, j'aurais kiffé chanter, je ne les ai jamais chantées, c'était We Go Together et l'autre, je sais. Bah, l'autre c'est John Kelly avec I Sing in the Rain. Donne des détails. Some love. Is it for me? Travolta extraordinaire dans ce film. Vraiment incroyable. Il a, bon, c'est un très bon acteur, il a fait très bon film. Il est incroyable dans ce film. En plus, non, mais ce qui était intéressant, c'est que ça parlait de thématiques intéressantes dans le film. La relation entre les hommes et les femmes, la jeunesse, le lycée. En fait, ça me fait rire parce qu'aux États-Unis, je vous jure, moi au lycée, j'étais de manière générale, j'étais quelqu'un de populaire. Au lycée, c'était pareil. Mais aux États-Unis, pour vous donner une idée, j'aurais été aux États-Unis, j'aurais été un quarterback ou un joueur de basket. Un des deux. Voilà, bah, comme vous avez deviné, ah, c'est vrai que j'aime bien ce moment. Donc en fait, ils racontent leur amour de vacances, voilà. J'aime bien ce petit moment calme. Par contre, Sister Act, j'ai fait les deux films. Et je l'ai fait en concert. Et j'ai même fait Happy Day, je suis sûr. Je fais Happy Day en solo. Trop pour moi. Entre les deux. Mais ce que je kiffe, c'est que je kiffe.
kiffe la fin, parce qu'en gros, c'est le beau gosse et tout. Et après... Bon, moi, ce qui me dérange un peu, c'est un peu le lourd ou la cigarette et tout, mais j'aime l'idée, en fait. Et si on en parlait. Change.
Tiens, tiens, tiens. Always be together.